des gens passionnés qui, autour d'un projet, se disent « Est-ce qu'on peut inventer quelque chose qui n'existe pas ?» Eh bien, on a relevé le défi de lancer cette marque. Et aujourd'hui, on est plutôt satisfait. C'est un métier de chasseur-cueilleur. On connaît la vigne plutôt pour le fruit. Là, on utilise le végétal pendant la fleur. Et donc, c'est à partir de ces vignes qu'on réalise des cosmétiques. Et Sarment, c'est la première marque de cosmétiques issue de vignes bio. On va faire à peu près, je pense, 150 kilos, là. Les deux casse-palettes, ouais, ce matin. On est sur le domaine de Bellevue, donc en biodynamie. Le domaine de Jérôme Bretaudeau, qui travaille différents cépages. Là, on travaille, nous, le cépage du muscadet. En ce moment, on est sur une période qu'on appelle de fin de fleur. La vigne est en fleur pendant 10 à 15 jours par an. Donc là, on prélève juste avant le solstice d'été. Donc en fait, là, on prélève la partie supérieure de la vigne. Donc la vigne est une liane. Et à un certain moment, il faut couper ce qu'on appelle l'apex, le bout de la tige. Ensuite, on va les emmener dans un laboratoire et c'est là où on fait la distillation du végétal. Et donc, on va avoir des polyphénols, des molécules actives présentes dans la vigne qui vont venir ralentir le vieillissement cutané. Merci. L'huile, ça va nourrir la peau, surtout quand elle est agressée. Ah, c'est très agréable. On est distribué en pharmacie, magasin bio. On a eu assez vite, finalement, une relation d'échange avec le spa, à Clisson. On fait un soin à partir d'une huile. C'est un assemblage, un peu comme dans le monde du vin. Et en général, on a plutôt de bons retours sur ce produit utilisé sur la peau.